L'application Psynergy travaille dans le domaine de la santé mentale. Il me semblait essentiel que toute l'équipe ait des notions et permettre aussi de pouvoir repérer les difficultés psychologiques et d'avoir cette ouverture, en fait, cette déstigmatisation de tous les troubles psy. D'avoir cette méthodologie très claire, je trouve que c'est assez aidant, même pour une psychologue en fait, parce que nous on est beaucoup plus dans la thérapie, dans le soin, et là ça permet aussi de pouvoir voir les choses avec un peu de hauteur, dans un domaine peut-être plus personnel. Je pense vraiment que les équipes vont avoir une approche très différente, notamment si on pense au support informatique, quand des patients peuvent contacter le support technique. C'est hyper intéressant pour eux d'avoir déjà ces connaissances sur les différents troubles que les patients peuvent traverser et peut-être d'adapter aussi leur communication, d'avoir cette approche bienveillante et de faire attention à la façon dont ils parlent, à avoir vraiment plus de douceur peut-être que uniquement répondre à un problème technique. Ça permet aussi d'avoir le même langage entre les personnes qui sont dans la thérapie de l'application et aussi l'équipe technique. Je pense que c'est aussi vraiment fédérateur de pouvoir se rassembler autour de cette souffrance en fait, d'avoir vraiment une notion globale. Souvent, ce sont les professionnels de terrain qui ont accès à ces informations, à ces outils, et je trouve ça vraiment essentiel que dès qu'on travaille dans la santé mentale, qu'on ait vraiment quand même ce référentiel en commun pour mieux se comprendre et aussi pour être unis dans le fait d'aider la personne au mieux. Alors moi, j'en ai beaucoup parlé autour de moi et notamment à ma fille, parce que je pense que ce serait hyper intéressant de leur proposer de manière quasi systématique cette formation. À partir du lycée, je pense qu'ils sont suffisamment matures pour pouvoir recevoir toutes ces informations. Et c'est vrai que c'est une période de vie où on peut être fragile, où on peut avoir des questionnements et passer par des périodes peut-être un peu de tristesse ou des périodes d'anxiété, de stress intense. Et s'il y avait cette formation, je pense que ça pourrait vraiment aider les jeunes à avoir cette capacité à repérer quand eux vont mal, mais aussi à pouvoir s'aider les uns les autres.